Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Diplomacy is not an option. Rien que le titre est cool. Et on était en train de tenter de nettoyer. Alors là, on va passer beaucoup trop près du campement. On était en train d'essayer de tenter de nettoyer le chemin. Et notamment, ce que j'aimerais bien, c'est réussir à toper un petit peu d'or. Un d'or pour 42 bois qu'on donne. On va en donner 120. C'est parti. Donc à chaque fois, ça prend du temps de faire l'échange parce qu'on envoie le petit Zeppelin, là. Ouf, bougez-vous. On a terminé une recherche. Il nous faudra toujours celle-là et pour ça, il nous faudra toujours 20. Par contre, on n'a pas fait celle-là. Ouais, on va carrément la faire. Alors ici, on a pu popper ce truc-là. C'est parti, on envoie ça là-bas. On va en envoyer même une autre, je pense, pas très loin derrière. Tac, tac, là c'était bon. Là, il nous manquait une tour. Est-ce qu'on peut faire une tour? On peut faire une tour juste ici. Et potentiellement une loupe là également. Avoir deux catapultes ici. Hop, go. Il y en a un qui se fait traîner mais qui n'est pas censé se déplacer, toi. Viens là. C'est ouvert la porte? Ouais, c'est ouvert la porte. Allez, on attend nos catapultes. Ici, on a de l'arbalétrier à mettre. Un peu là-bas également. Un peu plus, on a plus de bois. On a cramé tout notre bois, excellent. On va partir par là. Voir ce qu'il y a ici et voir si on peut pas choper ce campement-là par derrière. Ça serait vraiment intéressant. Ok, on doit être juste hors de portée, là. C'est parti, en avant. C'est qui tire, là? On dit pas qu'ils tirent sur les zeppelines. Ah non, il y a des morts-vivants qui sont apparus là. Pas de soucis. Alors, vous... Non, pas les guérisseurs. Les arbalétriers, vous me snipez ça. Parfait. Et maintenant, vous me snipez ça. Et visiblement, il y en a une troisième qui est un peu plus loin derrière, mais il faudrait qu'on puisse avancer avant. Allez, ok, parfait. Shootez-moi la machine de siège. On avance beaucoup là. Ici, il faudrait avancer un peu également. Alors, pas forcément autant, mais genre jusqu'ici, ce serait bien. Voilà, on a réussi à gérer eux, vous vous reculez, laissez les lanciers devant. Et au moins on a géré les catapultes, ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir nettoyer à l'ancienne. Et on n'a pas perdu trop de monde que ça. Il faudrait juste qu'on fasse un petit fossoyeur, genre par là. Et qu'il puisse aller bosser par ici. Ok, excellent. Il y a d'autres mecs qui étaient planqués dans le coin. Ah, les soigneurs, ça fait le taf. Hein. Pour débloquer la situation. Ok, il nous reste 2 jours avant la vague 5. Il y a des péons qui sont coincés là. On va aller les chercher. Allez, on ramasse tout ça. Ici, on va étendre pour aller ramasser les cadavres là-bas. On va terminer
la fortification là, avec notre source. Ici, une autre tour serait pas mal en vrai. Par ici, on va la faire en bois pour le moment. Là, toi, tu prends cette place-là. Toi, tu vas prendre ça dès que c'est fini. On tire là. Le cadavre ambulant, ok. Allez, prends ta place. Parfait. Bon, maintenant il nous reste à progresser par là-bas. Alors ici on va prendre vous. On va venir blinder un peu les murs parce qu'au final là c'est des archers qu'on a, hein. Ils sont bien mais c'est pas non plus la panacée. Ah il y a du monde là. Et ici, c'est des petits cavaliers qui viennent jouer au con. Rajoute-nous quelques lanciers, quelques arbalétriers. Très gentil. Si c'est ouvert, hein, ouais. Alors ici, on pourrait peut-être tenter de passer par derrière aussi, pour les prendre un peu de flanc là. Il y a ce flanc là, sinon qu'on pourrait essayer, on va aller voir, tâter un peu le terrain. Bon, dans un jour la prochaine vague. On n'est pas hyper bien défendu partout, on va pas se mentir, là, tout ce flanc là est complètement à poil, et bien ça va arriver par là. Dans 3 minutes, d'accord, alors du coup, repliez-vous par là les gars. C'est parti là, on fait une porte. On a plus un pet de ressources. Ok, excellent. C'est exactement ce que j'avais prévu. Lui, il finit son, sa forêt. Ok, bon, on va le faire avec ce qu'on va réussir à faire. Hein. On a récupéré de la magie, c'est déjà le bon plan. Priorisez-moi ça, il faut venir bosser ici les gars. On va faire du mur un peu comme on peut. Alors c'est le problème, hein, c'est que les trucs en pierre demandent aussi du bois. Ici, par là. Vous sortez ici, vous sortez ici. Il va nous falloir de la catapulte pour tenir. La bouffe, on fait 171 seulement. Ah oui, on a plus de pêche ici. Merde. C'est un peu la dèche sans la nourriture. Ben, on va faire de la cabane du pêcheur. Ici, on peut pas parce qu'on n'a pas assez de péons. Venez par là, vous. Moving. Yes, sir. Toi, tu peux prendre la place là. Et vous deux, par ici. Ok. Alors, on n'aura pas assez pour faire une tour. On va se contenter d'un petit mur, du coup. Faute de mieux. Et la tour, ce sera les catapultes comme ça. La muraille, ce sera nos lanciers. Est-ce qu'on tire là? Ah, ok, sur. Encore du petit truc merdique. Vous là, venez plutôt au centre, enfin sur les côtés. Au centre, voilà, soit ça va arriver par là, soit ça va arriver par là. Si ça arrive au centre, on sera capable de les gérer, mais au moins là, on gère des différents côtés. Toi, t'as plus du tout de bois à ramasser, ok. Viens ramasser le bois là. Là, il nous en faut du bois.
Ça, c'est en priorité, les gars. Vous êtes partis, est-ce que vous êtes partis foutre, mais... Voyons, sérieux, 2 minutes. Les petits cadavres, franchement, c'est pas très grave. Hein. Il reste 4 cadavres à ramasser. On va les gérer, après il n'y aura plus de morts vivants, je pense. Ah, mais il y a du bois ici. Là. Toi, descends, cherche ça. Allez, fonce. Fonce, fonce, fonce. Merci. Et après, tu viens là. On va pouvoir se faire une petite tour à l'angle. Priorité 1. Et même une autre tour par ici. Bougez-vous. Priorité 1 également. 14 secondes, ça va être tendu pour les finir. Hein. Pas grave, on fait au mieux. Bon, on n'a pas encore tué tous les ennemis. Ici, on n'a pas du tout fouillé. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Il nous restera 6 jours une fois qu'on aura géré cette vague. Là, c'est réparé. Là, c'est construit, pardon. Donc, go, prends la place, toi. Et ici, on va réussir aussi à la faire. Parfait. Là, ce serait bien de mettre quelques personnes dessus, quand même. Voilà, revenez derrière. Ça va être tendu de tenir avec juste ce qu'on a. Hein. On va envoyer un petit rayon là. Pour de faire un petit peu de dégâts. Là, il y a une catapulte. Est-ce qu'elle est à portée? Ouais, vas-y. Shoot là. Toi non, par contre. C'est parti, là le mur va céder déjà. Putain, la catapulte là, elle peut se replier ou pas? Non. Ah, peut-être. Par contre, t'as pas réussi à... Fais la catapulte là toi, vas-y, fais le nettoie là. Ok, on a réussi à nettoyer la catapulte avec le petit lancier. Bon bah parfait, pendant qu'on est là, on va retourner fouiller ici. Et on va demander une vraie tour. Donc on est là, comme ça au moins on est sûr. Ah, il y a du monde. Il y a du monde, mais il n'y a pas l'air d'avoir de catapultes. Ça c'est cool. Okay. Donc ça va être assez vite vu. Alors du coup, on se replace. Et je veux une catapulte là-bas. Je veux une catapulte là-bas. Au niveau des techs, la pieuvre rouge pour les guerriers à la hache, non. Par contre, le 25% de vitesse d'attaque pour les arbalétriers, oui. Deux fois oui. On a plus que 3 catapultes là. Venez, venez là, vous. Vous allez faire partie de la nouvelle force.
Un peu de bois, un peu de nourriture, un peu de pierre, un peu de tout. On va aller fouiller par là-bas, voir ce qu'il y a. Vous pouvez aller là-bas. Un petit soigneur, hein, pourquoi pas. On va le mettre là. Ça, on va upgrade. On va compléter les murs. Ici aussi. Donc on bouffe 206 par jour. Ce serait bien d'avoir un petit grenier de plus quand même. Par là. On va mettre un mec avec des baies pour utiliser notre dernier perron. L'hôtel de ville 3. On pourrait se faire quelques gens en plus. Là, la fontaine, elle couvre quasiment tout. On pourrait en faire une ici. Il faudrait faire des maisons autour là. Une maison. Allons-y avec une maison. Ça a l'air d'être relativement clean pour le moment de ce côté. Donc on va terminer l'exploration par là, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose ici. Ni là d'ailleurs, parce que sinon on aurait eu des assauts relativement régulièrement, ou alors vraiment du petit campement à la con. Et après on va aller s'occuper du gros campement, moins à la con. Alors, ici une carrière épuisée. Ok, on a détruit, il faut qu'on la remplace. Là. Vas-y. Question. Il reste un mec mort là. Pourquoi lui ne s'en occupe pas? Est-ce que c'est trop loin? Non, c'est pas trop loin. C'est juste que il met du temps. Il met du temps à faire ses allers-retours. Ok. J'admets qu'on mette du temps à faire ses allers-retours. Ok, ici il n'y a personne, donc on va aller par là-bas. Il va nous falloir effectivement plus de maisons, parce que il n'y a pas moyen qu'on reste avec aussi peu de monde. En réserve, on n'a pas de quoi couvrir tous nos murs, là, clairement. Donc après, la vague finale viendra peut-être pas de toute la map, hein, de partout, mais... Là, on finit le bois. Là, il reste plus rien. On va détruire ça. Détruire ça. On va les déplacer ici. Pareil pour toi, là. Viens donc travailler directement proche du bois. Bon, ici, il n'y a probablement rien, mais on va quand même y aller. Alors attendez, on va commencer plutôt à se diriger par là-bas et on va envoyer notre ami Scott, qui est quand même vachement plus rapide, avec son cheval. T'as pas l'air de miner très vite, tu veux pas en mettre plus hein. Bah niveau bois et pierre ça va au final, tu vois, je suis à 150-125 de réserve. Je pourrais toujours en mettre plus, mais le problème c'est que ça me consomme de la pop. Le bois est problématique, parce que le problème du bois, c'est qu'au fur et à mesure qu'il coupe des armes, il faut qu'il fasse de plus en plus de chemin. Et ceux-là, par exemple, en plus, ils sont ici, il faut qu'ils aillent couper leur arbre, et après, ils ramènent là. Ce que je pourrais faire, c'est construire un entrepôt pour améliorer la vitesse. Mais il me faut 24 de bois, mais je pense que j'en mettrai un là dès que ce sera fait. Et peut-être, du coup, une petite mine de pierre ici, pour faire en sorte qu'il soit plus rentable. On va attendre d'avoir 24 de bois... Ok, ça a l'air d'être clean. Research complete. Ok, c'est clean. On revient au centre de ville, toi.
Recherche terminée. Qu'est-ce qui nous resterait? Alors attends, ça coûte un 15 de fer, pourquoi pas? Plus 10% de vitesse de déplacement pour tous les mecs qui ramassent des trucs, bah tu vois. Comme quoi. Très bon, ça c'est 12 de bois, donc non. J'aimerais avoir mes 24 pour un entrepôt. Puis je sais même pas où ils sont mes constructeurs là. Est-ce que c'est hors de leur portée? Non, c'est pas hors de leur portée. Ah oui, ils sont partis construire la maison. Ouais, mais si c'est bien, faites les maisons, ça nous fera plus de pop. J'ai presque envie d'en faire plus d'ailleurs tout de suite des maisons. Même si ça consomme mon précieux bois, n'est-ce pas? Allez, on va se regrouper. Alors là plutôt, parce qu'il faut le temps que eux ils arrivent. Ici, on va attendre potentiellement qu'on aura une défense à faire là. On verra. Bah, s'il y a rien qui vient par ici, on sera pas chier à défendre là. Hein, mais... Pareil, s'il y a rien qui vient par ici, on sera pas chier à défendre là. Surtout qu'ici, il y a des trucs qui vont se faire détruire assez méchamment. Allez, les catapultes, bougez-vous le cul. Et c'est pareil, normalement, avec les bonnes techs, notamment au niveau 3 de l'hôtel de ville, on peut réussir à débloquer genre ça, les champs de minerai de fer, qui sont infinis, ou les grandes carrières hein, de pierre, est-ce qu'on en a une? Je crois qu'il y en a une là, ouais, voilà. Ou là, c'est du champ de pierre, et c'est pareil, c'est infini. Mais pour débloquer ça, voilà, il faut 35 d'or. Et l'or, on ne peut l'obtenir que en le trouvant sur la map par coup de bol ou avec des échanges avec le marché. Et bah, les échanges avec le marché, c'est pas très avantageux. On l'a vu, il fallait 40 de bois pour faire un d'or, 20 de pierre pour faire un d'or, 10 de métal pour faire un d'or. Donc c'est compliqué à viser, on va dire, comme objectif. Allez, il est temps d'avancer un peu, on va les attaquer pendant la nuit. Là, on devrait être plutôt bien placé pour les titiller. Alors non, vous continuez d'avancer. Tout le monde est en... comme ça, là. On va enlever ça. Vous continuez d'avancer parce qu'il faut qu'on puisse aller sniper ça. Voilà. Progressez-vous. Vas-y, les arbalètes. Ensuite ça. Ça, s'il vous plaît. Ah mais putain, mais j'en ai sélectionné qu'un. Les 21, ok, c'est fait. En arrière. On avance. Ah, il reste une catapulte là-bas. On se la fait. On dirait qu'il en reste, ouais, encore plein derrière, putain. On va se permettre de leur invoquer un truc sur la tronche. Voilà. Là, nos arbalétriers, ils sont un petit peu trop exposés, malheureusement. Alors là, ils sont pas morts, eux, hein. Ils sont juste au sol à cause de la catapulte, rassurez-moi. Ouais, enfin, on commence à avoir des pertes quand même. Hein. Non, il faut que les arbalétriers, ils s'occupent de ça. Nos petits soldats, ils servent à rien. Là. Allez, shootez ça. Et après, shooter ça. Ok, parfait. Reculez un peu. Il n'y a plus de catapulte. Ça va être géré tranquille. Il va attaquer les murs. Grand bien lui fasse. Les marchands toujours à taxer ce qu'ils peuvent sous prétexte qu'on est des rebelles. Je te rassure, c'est pareil quand t'es pas rebelle. Toi là, viens là. Il y a des trucs à ramasser. Ah, on a terminé une recherche. On a nos 82 de bois là. On va pouvoir faire. Alors on va faire un petit, ça suffira largement pour optimiser un peu ça. Et on a dit une petite carrière de pierre. Alors c'est pareil, après on peut faire des mines de pierre plus améliorées. Plus, qui du coup ramasse plus vite, mais qui consomme plus de travailleurs, et du coup augmente la pierre à extraire dans cette mine deux fois. C'est-à-dire que ça, on peut peut-être du coup renouveler les mines de pierre, mais bon, c'est franchement pas trop un problème, donc on bête pas avec ça. Allez, on ramasse, on ramasse.
On ramasse. Là, on a tué tous les ennemis sur la map, ce qui est excellent. On va pouvoir se replier ici et se préparer à défendre contre un assaut final qui vient, on ne sait pas encore d'où. On ne sait pas encore d'où. Ici, on a trop de trajets sans tour. Donc on va se mettre une tour ici et on mettra la petite catapulte qu'elle a dedans. On a de la pop de rab. On va améliorer ça. Ça, pour l'améliorer, il faudra l'hôtel de ville 2, donc c'est pas tout de suite un problème. Ça, ça pourrait être intéressant à viser. Il nous faut 5, on a que 3. Est-ce qu'on peut réussir à avoir 5, genre avec notre truc par exemple? Tiens, hop. On envoie 30. Ça, si on pouvait l'améliorer, en fait, on pourrait aller chercher les trébuchets. Ah, et remarque, ils coûtent 2 d'or les trébuchets aussi. Et les trébuchets, ils ont une très très grande portée. Ce truc là aussi assez rigolo, c'est un truc qu'on suicide. En fait, c'est un tonneau explosif, il faut l'envoyer au milieu des ennemis, déclencher l'explosion et ça explose. Le problème, c'est que il faut le faire avant qu'il se fasse buter. Parce qu'on l'envoie au milieu du tas d'ennemis, et si jamais il se fait tuer avant que ça se déclenche l'explosion, bah c'est perdu quoi. Donc ça, c'est un peu gênant, mais bon. La tour là est faite. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même se préparer à potentiellement des assauts. En étendant un peu nos fortifications, quitte à préparer un petit peu. Par là aussi, on va se préparer potentiellement à de l'assaut. Et on va faire le maximum de pop possible. Et là, on consomme trop de nourriture. Et ici, c'est vide. On détruit. On en refait une autre. Là, parfait. Il nous faudrait plus de bouffe. Plus de bouffe. La ferme devrait être faisable, mais il faut du bois. Ça coûte un pop. On va en faire un petit peu. Hop. Tu vois, eux, ils vont jusqu'à l'entrepôt plutôt que taper la route jusqu'à l'hôtel de ville. Et là, normalement, ça devrait nous permettre d'améliorer un peu notre production. D'ailleurs, même eux, ils sont plus proches. Pourquoi on a du fer ici? Qui a amené du fer ici? Bizarre. Là, il n'y a plus de poisson. C'est pour ça qu'on est un peu dans le mal. On pourrait commencer à faire du poisson là. Voilà. Ça coûte pas très cher à faire et c'est un peu moins chiant à placer que la ferme. Voilà. Hop, on se fait plaisir. Ici, on va mettre un petit peu de mur. Il nous reste des murs en bois. Non, il nous reste plus du tout de murs en bois là. On est d'accord. On pourrait se faire peut-être une autre maison des bâtisseurs. Pour avoir un peu plus de priorité dans les de gens qui travaillent à construire. Et en termes de tech, on peut faire 10% de déplacement pour les bâtisseurs, c'est pas si mal. Qu'est-ce que ça demande? Un peu de fer, ok. Ici on a quoi? La maladie, on s'en fout. Taux de change favorable, mais ça coûte 6. 40% de vitesse de déplacement. Non, on va faire ça. On a récupéré notre thune. Il nous faudrait un peu de bois. On va essayer d'aller chercher ça. Et toi, t'es revenu. On va filer 62... Ouais, on va filer 62 pierres de fer pour avoir de quoi faire des petits trébuchets. On va avoir de la magie, on va avoir du trébuchet. J'ai confiance, j'ai confiance. Toi t'es vide, lâche ta pop. On va l'améliorer tout de suite.
On a nos 40 de bois là. Ah mais non, il faut hôtel de ville 3 pour ça. Ah, j'ai pas vu. Ouais, donc c'est mort. C'est mûr. On va remplir nos murs d'arbalétrier pour la peine. Et nos tours de catapulte. Toi, tu vas se dégager de là. Le dernier truc dispo, mais la catapulte rebelle, c'est vraiment de la daube. Je peux pas la détruire. Ah si, il faut que je fasse un appui. Okay. On va le remplacer par de la catapulte pas rebelle. Il nous reste 2 jours. Faites-moi ça en priorité. Research complete. Alors il nous reste 4 cadavres tout là-bas. Toi tu peux pas aller le chercher? Non. C'est pas grave, ça fera des morts vivants qui vont venir nous emmerder et puis on en parlera plus. Ici on va foutre. Non, ça va rester notre force de rapidité, on va dire. Par là, on va vouloir des tours ici. Tac. La bouffe, ça donne quoi? 255 pour 248, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Dans la tour, vous. Et vous, dans les murs. On va la faire là, la tour. C'est le bois quand même qui nous pose problème. Hein. Ouais, eux là, il faut qu'ils fassent des kilomètres pour aller déposer leur bois. D'autant plus que l'entrepôt ici est plein. Vous sur les murs. Et qui reste sur les murs là. Ici, on pourrait mettre une catapulte maintenant qu'on a viré la catapulte rebelle. C'est parti. Non, restez là, vous. En place. En plus, le fer nous consomme du bois. Les mines de fer consomment du bois pour produire du fer. Pour le fondre. Bon. Allez, ça va passer. Ça va passer. On est confiant. Pour l'instant, ils ont réussi qu'à passer des murs en bois. Et encore, on a réussi à les tenir. Toi, là, t'as plus grand-chose à ramasser. Allez, on va booster, même si c'est artificiel, parce qu'ils auront plein de trajets à faire. On va faire de la scierie à des endroits où il y a du bois ramassé. Pareil là, on va en faire un autre. Qu'ils aillent plus vite à raser cette forêt. Je vois les laquais de l'arrogant suzerain qui craignent d'aventurer leur nez plus loin que la lumière des feux de camp se préparer pour participer à l'assaut final. Laisse aller venir. Sous terre, il y a assez de place pour tout le monde. D'accord, donc ça arrive de plein d'endroits. C'est quoi ce truc? Ok, c'est les objectifs. Alors, du coup, ça arrive de là. Alors ici, il y a bien moyen qu'il passe par là, mais c'est aussi pas impossible que ça arrive en partie par là, donc il faut qu'on finisse notre défense là. Probablement que la défense ici ne servira à rien au final. Donc on va faire une porte là, du mur, et on fera des tours. Ici, ça va aller s'écraser là-dessus.
Alors on peut faire des petits trucs comme ça aussi, des petites tours de garde à l'arrière, qui sont pas forcément purement défensives, mais qui... Enfin, qui sont à chier en défense, mais qui permettent de mettre des tireurs dessus. Et là, il y a des bonnes chances qu'ils s'écoulent tous par là, et que donc ici, on est quand même un gros assaut à gérer. Ouais, il y a des bonnes chances. Donc du coup, on va vider tout ce qui est là. On va les envoyer là-bas. Et ici, il va nous falloir... Alors, de la tour. De la tour, de la tour. Et pour ça, il nous faut du bois. Là-bas, toi. Vous tous. Là-bas, toi. Là-bas. En plus, il y a deux vagues qui arrivent ici. Alors, s'ils arrivent par ici, ça va nous faire chier, mais je pense qu'on va envoyer l'armée secondaire là. Ah, c'est quoi qui nous attaque là? Ah, c'est les petits morts-vivants. C'est pas très grave. Ils vont mettre 2-3 coups à la scierie, on s'en remettra. Le boost des mecs à la hache, bof. La vitesse d'entraînement des catapultes, non. La capacité pour les archers. Alors, les archers, nous en reste franchement plus assez pour que ça soit vraiment intéressant. Donc, non, je pense qu'on va. On va laisser tomber l'idée. Là, j'aimerais bien une tour de plus. Au moins une tour de plus. Là-haut aussi, en vrai. Voire même deux. Ouais. On va être vraiment juste en ressources. C'est moi qui vous... Là, on va interdire le fer. Si je détruis, est-ce que ça détruit ce qui est à l'intérieur? J'ai eu l'impression que oui. On va détruire ça. On va détruire ça pour récupérer la pop. Et faire venir plus d'arbalétriers. Ici pareil, on va détruire ça. Mais go. À la bataille! À la Zerbillion, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, de toute façon, il y a une hype, comme je disais au tout début, hein, il me fait penser à un mix entre Zerbillion et comment ça s'appelle une tour comme ça sera bien. Et Castle Story. Du coup, c'est un double feeling très intéressant. Vous là-bas. Vous, je pense que vous pouvez sortir, aller sur les murs. Ici, il nous reste un petit peu de pop. On peut balancer du comme ça. On va détruire les petits trucs à la con, là. Hop. Pour libérer plus de monde. Allez, il reste 20 secondes. Vous là-bas. Ici, toi tu vas là. Toi, c'est Cataclysmo qui te fait penser à ce que t'aurais voulu que Castle Story soit. Ah oui, c'est vrai que y a... Bah, de toute façon, c'est la vibe Tower Defense avec des vagues d'ennemis. Vous barrez pas, vous. Alors, frère d'âme, la victoire est proche. Tant que je suis avec vous, pas 1000 ou 10 000 de ces sales chiens du despotisme ne peuvent nous arrêter. Abattons jusqu'au dernier sbire du pouvoir criminel de Ferdinand. Parfait. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Et c'est pas plein. Ici c'est plein, mais on a de la catapulte, on a du tireur. On va juste replier ceux-là, là, parce que je pense qu'ils vont se faire défoncer.
Castle Story, on fait des châteaux presque que pour la déco. Je sais pas. Bah, en fait, ce qui me fait penser à Castle Story dans celui-là, c'est le côté funky, quoi. Les mecs qui volent, les trucs un petit peu en carré, qui sont quand même vachement agréables à l'œil. Alors, la horde, là, je pense qu'elle va être canalisée par là. Ouais. Donc, c'est bon. Je pense que ça va le faire. Alors, on ferme toutes les portes. Fermeture des portes! Et là, est-ce que tout va passer par là? Difficile à dire. Là, on va détruire ça pour récupérer la pop vite fait s'ils arrivent à s'enfuir. Là, il y a une bonne cible pour un rayon là. Alors là, ils attaquent nos citizens, bah, qui se sont un peu fait prendre, bien sûr. Détruis ça. Et ils ont plus de bois. Eh ben, écoutez, vous êtes conscrits, les gars. Vous êtes conscrits et c'est tout. Ok, ici il y a un bout qui arrive par là et il y en a un peu qui arrive par là, mais ça a l'air d'être plus réduit au final. Montez par ici, vous. On va rebalancer un petit rayon là. Dans la catapulte notamment. Reste joli et tout, mais tu l'as backé en espérant plus de gameplay de construction utile que juste beau. Ouais. Bah ouais, je sais pas. Bah après Castle Story, ça reste la vidéo la plus populaire de la chaîne. Hein. Donc il y a quand même du potentiel. Mais bon, faut me gérer ça par contre là. Là c'est trop loin pour lui, donc tue-moi ça. Ici c'est géré. Là c'est un petit peu trop loin. Ouh, ici ça va céder là. En avant. Venez tenir la position. Et on va balancer un petit rayon de famille dans le tas. Ça les évitera de taper pendant ce temps-là. Ok, c'est tombé, mais il reste plus grand chose. Ah, c'est la catapulte qui a fait que c'est tombé. Et ici, c'est plus rien. C'est terminé. La vague est arrêtée. Bien joué les gars. Très belle action. Très très belle action. Mais oui, Castle Story, c'est le jeu que j'avais beaucoup aimé, on s'est éclaté dessus avec Katox, mais c'est pas le jeu où je vais revenir tout le temps, quoi, clairement. D'ailleurs, on n'y est pas revenu depuis qu'on a fait notre série. Donc oui, c'est sûr qu'il manquait peut-être un petit quelque chose. Poupoulta. Poupoulta. Oula. Ah. Il manque une petite traduction là. Alors je rappelle que c'est la preview, hein. C'est pas la version finale. C'est dommage par contre, est-ce que je peux changer tout de suite je peux mettre pause. Non, je vais mettre pause. Bon, visiblement il comprend pas non plus. Bon, on va la passer puisque visiblement on va pas pouvoir la voir de toute façon. C'est dommage, ça serait pas mal que ça soit backé en anglais. Du coup, l'épineux chemin du rebelle. Alors, on va voir de toute façon un résumé ici. Hein. Lorsque vous avez appris que les principales forces de l'armée royale se dirigeaient vers vous, vous êtes immédiatement tombé dans une stupeur de courte durée car il fallait faire ses valises et courir pour sauver sa vie. Il est devenu évident que le portrait de votre héroïque ancêtre Duncan Front de Fer ne rentrerait dans aucun de vos sacs. Sans autre choix, sans autres idées, vous avez décidé de placer à l'avenir un drapeau de la résistance à sa place. Ce n'est peut-être pas si artistique, mais ça rentre dans le sac. Nous avons besoin de tels compagnons, animés par des idées, prégnés le passé, et après quelques jours de voyage, Scott vous avait félicité et a soudainement arrêté de parler parce que vous avez atteint la route de Rolken. Sur cette route, toutes sortes de choses se produisent, des choses désagréables surtout. Ok, donc là on est sur la route. On va regarder ce que ça donne. On va peut-être pas la faire parce qu'il commence à se faire tard, on va voir, mais. En attendant que Malvin soit dispo pour du soul.
Ouais, bah c'est un peu pareil, Zikino. Je pensais le côté sandbox, Minecraft, c'est pareil, j'en suis complètement revenu. J'y ai beaucoup joué à une époque, mais. Ah, là, ça va être problématique par contre. Le roi a posé des patrouilles sur la route de notre petite armée. Hier soir, Scott a annoncé à ses hommes que nous n'attendrions pas la flotte de la résistance en de violents combats. Ce matin, la plupart des rebelles ont déserté. Oui, la flotte de la résistance attend au large, mais le chemin est encore long. Ok, donc en gros, le texte, ça devait être qu'on essayait de se barrer. Ah, on a même notre petit Mylord, tiens, excellent. Qui apparemment est un genre d'archer. Oui, c'est un arc qui a, c'est pas un bâton, c'est un arc, effectivement. Et on a nous-mêmes. Et définitivement, on ne pourra pas voir notre tête. Vous êtes probablement ravis de vous rencontrer. Alors, du coup, on va repasser en anglais. Donc le français sera disponible à la sortie. Normalement, il devait même pas être disponible pour la preview, mais vu qu'a priori il était là, je me suis dit je vais tester. Ok, il faut amener notre escouade là où on doit l'amener. Ok, très bien. Et personne ne doit mourir. Ok, bon, on va regarder un peu ce que ça peut donner déjà. Sait-on jamais. Alors, mon frère, nous sommes en sous-nombre, mais nous ne devons pas perdre notre courage. Plus tard, quand le drapeau de la résistance flottera sur Abelor, les Quarks qui nous ont abandonnés regretteront d'avoir laissé tomber leur vrai roi quand il en avait besoin. Mais vous et moi, nous... Ok, vous et moi, nous valons une armée entière à nous seuls. Les minions du vil usurpeur Ferdinand le Gros ne nous arrêteront pas d'atteindre la... Ne nous empêcherons pas d'atteindre la flotte de la résistance. Alors, tu t'avances peut-être un peu, mais nous verrons. Essayer d'éviter les combats si on peut, hein, on va voir. Non, visiblement non. Là, c'est vraiment obligé. Du coup, on va direct faire une charge, ça fera un mort. Parfait. Alors, je pense que si le chemin on avait pris par là, ça aurait été pareil, hein. On a la possibilité d'invocation si jamais ça devient vraiment trop la merde. Mec à l'envers quoi. C'est quand même énorme. L'humour de ce jeu est vraiment énorme. Ça aussi ça change par rapport à un Castle Story quoi. Ok, ici il y a du monde. On va essayer de voir à côté. Ça a l'air à peine mieux. Déjà la charge. Le petit. Ah, ça c'est un royal vétéran, c'est pas le lieutenant. Alors, les soldats deviennent des vétérans s'ils trouvent un casque vide, avec des gros guillemets. En gros, s'ils le pissent sur un cadavre. Qu'est-ce que c'est que ça? Healing potion. Ah, tiens. Ok, on a des healing potions pour nous aider. Intéressant, c'est la petite part, le petit moment. Alors lui, il est capable de buter la tente tout seul alors qu'à trois en galère, quoi. Ah non, il se fait aider par la flèche, j'avais pas vu. C'est le petit côté RPG peut-être de du gameplay. Nos mecs ont pas d'XP, hein. Non, ils ont pas d'XP. Alors ce qui m'inquiète c'est que c'est 0 sur 4 et qu'il y a un seul drapeau sur la map, donc s'il faut arriver à celui-là, ah putain. Cavalier, charge. Vas-y, prends la potion. Ouais, les 400% de dégâts de la charge, ils se voient quand même, hein. Il a le temps de prendre sa vitesse. Ok,
On fait quoi? 12 de dégâts. Chercher ça, toi. Ok, pour le moment, il semblerait qu'on arrive à progresser. Alors la campagne a un gros potentiel de gameplay, hein, parce qu'il y a plein de manières marrantes de jouer à ce jeu qu'ils ont mis en place. Et on a vu que là, la mission, on avait quand même mis 2 bonnes heures et demie, je pense, à la faire. Et c'était que la première mission. Enfin, la première mission des rebelles. Il y avait déjà une grosse mission d'une heure et demie pour entamer la campagne que j'ai faite en off. Et si on choisit de rejoindre le camp du bien, ça nous a fait sauter 2 missions, quoi. Donc, y a carrément du potentiel de jeu, hein, en termes de durée de vie. Sans compter la rejouabilité si on veut réessayer en changeant nos choix. Allez, c'est la charge. Ouh, il y a du champion là. Voir qu'on optimise un peu les dégâts. Vas-y, charge. Dégage-toi. Charge. Dégage-toi. Charge. Demi-tour. Alors, on a une popo à le prendre à lui. 4 petits campements, ça commence à être un peu plus costaud déjà. En plus, on a eu qu'une seule potion de soin. Un peu short. Alors, est-ce qu'on prend le chemin le plus évident? Ouais, on va prendre le chemin le plus évident. Et ramasser ça, toi. La charge. Peut-être que le prochain coup, il faudra qu'on n'hésite pas à faire une petite invoque. On a quand même 12 cristaux. Et Monseigneur est quand même un petit peu dans le mal. Ok, une grande forêt. Avec des falaises. Merde, il faut qu'on traverse ces falaises là. Vous foutez. Bon, après ça nous permet de nous soigner, hein, c'est pas plus mal, mais. C'est pas plaisir cette falaise, ça c'est sûr. Oulé qui s'enfuit là. Et... Oh putain, il y a une catapulte, vous êtes sérieux? Alors, est-ce que vous entendez le cri des mouettes? Est-ce que vous pouvez sentir la brise marine? Moi, oui. Plus que quelques centaines de pas, et vous et moi serons fait un pas de géant pour la résistance. On sera arrivé à la flotte en un rien de temps. On va invoquer un peu de monde pour vous aider. Vous tapez là-dessus, toi tu recules, on réinvoque, tu cours. Il y a peut-être mieux à faire que taper sur le petit truc, sérieusement. Oh merde! Il est mort? Non, il est pas mort, il a juste pris un... Il a juste été renversé. Ok, ça va, là c'est quoi qui meurt? C'est bon, c'est nos... C'est nos trucs invoqués. Ah, ils m'ont fait peur, les enfoirés. Ok, ça c'est géré. Toi, prends la popo. Ensuite, à l'attaque. Ok, ça va passer. On a dû invoquer un petit peu, mais c'est passé. Il m'a fait peur, là, quand il a volé, lui.
Clairement, j'ai eu un petit doute. Allez, prenez ça, prenez les cristaux, on sait jamais. On laisse les invocations nettoyer la suite. On va les prendre avec nous, parce qu'on les a invoqués, donc si jamais il y a une autre bataille à faire, tant qu'elle soit là. En fait, le 0 sur 4, ça doit amener nos 4 personnages sur le point de destination, pas 4 drapeaux. Il n'y a pas 4 drapeaux. Merde, c'est où? C'est où? Par là où? Ah, là, il y a des petits... Il y a un truc, ok, c'est là. Alors, on est arrivé. Est-ce que la flotte est toujours là? C'est ça la question. 25 ennemis tués. Bon. Petite mission qui change un peu, ma foi. Et du coup, la suite, c'est Rodglen. Mais on va arrêter là l'épisode et le live probablement dans la foulée. On va faire un petit raid quand même, je pense. Mais pour ce qui est de la VOD, on s'arrête là. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, c'est le moment. Je bois un petit coup. Et alors, je sais pas exactement où il veut nous envoyer avec la flotte, vu qu'on a un peu raté la cinématique. Mais peut-être sur l'autre continent, là. On verra. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.